UKD, ami de la boulette sans riz, bienvenue à un nouveau stream de Shmup. Aujourd'hui, on se retrouve avec une création de Tecmo qui est sortie entre 90 et 2000, soit la période la plus fertile de l'univers Shmup, et qui, au travers de son animation très dynamique, essaye de nous introduire à un shmup vertical de bon aloi, il semble. Alors, je ne le connais pas du tout, et je vais le découvrir en même temps que vous. Le truc m'a l'air assez chargé, et à la lisibilité douteuse, donc je me permettrai de prévenir d'avance que je risque de faire pas mal de bullet time sur cette ROM, parce que ça m'a l'air quand même bien chargé tout ça. Voyons voir de quoi il en retourne en concret. Surtout, ne fais pas voir la tête du tir du vaisseau, ce pourrait être triste. Oh, je vais prendre le mutant venu de nulle part. Alors, piou 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 piou, normal. Pour le tir, tu pleures. Ah, j'ai un shield. Enfin, un shield de rayon of the death. Maintenant, de là à savoir où il se recharge, c'est les bombes peut-être, j'en sais rien. Donne-moi du paro. Il est un peu raide à la prise en main. C'est un petit peu comme l'épinard, ça. C'est genre, quand vous l'ouvrez, vous faites « Ouh, va falloir faire des comptes, celui-là !» Il va y avoir des subtilités que j'ai pas saisies. Hein. Calme ta boulette, mon gros. Calme ta boulette. Ça va bien se passer. Le gars, là, sur le côté, tu crois que je t'avais pas vu? Non, mais franchement... C'était juste que j'étais en train de réfléchir à comment tu veux que je passe. On va essayer le vaisseau par défaut. Alors, vous devez entendre dans mon timbre de voix, qui est toujours sous l'emprise du rhume, que je ne suis pas totalement convaincu par ce titre. Et c'est foutre vrai. C'est réalisé proprement, c'est assez speed, c'est marrant. Mais voilà, c'est... Ça manque d'identité un petit peu, on va dire, pour la faire short et résumée. Vous m'avez gonflé, là, les gens. Oui, vous m'avez gonflé, c'est le terme. Je vais essayer de nous mener jusqu'à un boss. Mais ça reste qu'une hypothèse. Il crève, lui, un peu, ou... Faut que je le finisse à pied. Ouais, je l'ai un peu aidé là parce que je sentais une mauvaise volonté claire et nette. Putain. Non, c'est... Je pense pas que ce soit moi qui soit particulièrement mauvais sur cet essai de ce jeu. Et parce que... Niveau jouabilité, ouais, non, c'est critiquable. Les bestioles là qui vous font des liftés sur le côté, vous reviennent dans le dos. Je remets des crédits parce que je suis sympa, mais très honnêtement, là, j'aurais changé de borne. Ah, un tir en spread, à ce qui me correspond un poil mieux. On va voir si ça m'aide. J'ai pas de certitude. Putain, mais c'est quoi, c'est... Vous avez remarqué quand même que les bonus font exprès de rebondir à perpète de moi, quoi. Juste genre, attrape-moi, et raté. Attrape-moi, et raté. Comme si c'était amusant. Alors, ça doit l'être, mais là, je suis pas d'humeur, on va dire, aujourd'hui, c'est... Non, 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 j'ai pas envie d'être gentil. On t'a pas vu, toi, tout à l'heure, déjà? Mais si. Et ouais, tiens, cadeau. C'est le même que tout à l'heure, le cadeau, hein? Mais bon, je pense que tu as compris que je ne suis plus là pour plaisanter, moi non plus. Et je n'ai plus de bombe, en plus, donc je vais me retrouver dans le... Dans le... Encore. Allez, finis-moi ça. Quoi, il ne veut pas crever. On va l'aider un petit peu. Ses copains. Oh, ça, c'était dégueulasse déjà. Parce qu'ils arrivent à une vitesse assez faramineuse. Là, il va m'en mettre deux comme ça. Voilà. Ok. Moi, je reste au milieu, je fais le mort. En fait, avec ce tir-là, faut pas que je me fasse déborder, tout simplement. Je plains les gens qui... Ui ! Ça, tu évites, tu cherches même pas.
Oh non, mais c'est pas terminé. Enfin, donc, ça, c'est la période où les mecs étaient encore persuadés que c'était plus rigolo de saturer les joueurs en vaisseau à l'écran qu'en tir. Ce qui, à mon avis, est une erreur vu que c'est une école qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Ce truc en forme d'écrou là va me faire une blague, je le sens. Et il n'y a pas que lui qui a envie de faire des blagues, apparemment. Il y a tout un club. Le club des blagueurs. Ah merde. Je crois que je vais te bomber la gueule, mon ami, parce que c'est un moment que tu cherches, on dirait. Puis alors, là, oui, non, non, mais non, t'es gentil, là, mais on se connaît pas. Voilà. Donc tu rentres chez Mémé. Aujourd'hui, pas demain. Non. Laisse-moi te crever. Pour voir les décors du niveau suivant, s'il te plaît. C'est important pour le stream. Ah, ça va faire partie de la série des jeux où je vous laisse vous faire votre propre avis. Moi, j'ai un avis qui est pas très positif. Ça sent le boulot qui n'a pas été totalement fini quelque part. Enfin, il manque la partie. Enfin, la partie visuelle, elle pique les yeux, vraiment. Ouais, je revois la date exacte, parce que 90, quand même, on avait des machines. Je suis désolé, des graphismes 8 bits, 16 bits, on n'a jamais fait plus joli, quoi. Et il y a des choses qui, aujourd'hui, sont encore exploitées. Donc, faut pas prendre des gens pour des jambons. Il y avait moyen de faire un truc potable. De là à dire ce qu'il l'émerdait, j'en suis pas très loin, hein. Je vais le garder, lui, il me porte bonheur. Ne te fais pas saturer, ne te fais pas saturer. Mais calme-toi, oh là là. Bande de vilains. Ah, le rebond des bonus, il est pénible. Vous pouvez pas les choper, quoi. Faut vous mettre vraiment en danger pour arriver à choper les bonus. Ok. Là, tu vas faire quoi comme bestiole? Bon, je vais faire un truc qui croche des yeux. Ok. Et le truc d'après? Un crapaud qui pète. Ouais, super. D'accord. Et le titre du jeu, ce sera... L'abattant des toilettes qui parlait et voulait envahir la Terre parce qu'il avait essayé un jeu avec une tentacule. On va en rester là. Hein. Bon, bah, cher jeu, tu as gagné. Tu es trop fort pour moi. Vive toi. Tant pis pour moi. Je le trouve parfaitement dispensable et il ira uniquement. Pardon. Il ira uniquement dans le bac. Des collectionneurs purs et durs. Goodbye Ed Force. Je vais moucher et on se retrouve pour un prochain stream qui, je l'espère, ne parlera pas de mort pour vous. Ciao!